Alors pour la partie contenu, en fait, il faut avoir toujours en tête un triptyque qui est la génération du contenu, la cible, bien entendu, et puis le channel, c'est-à-dire le moyen de diffusion sur lesquels on va poster ce contenu. De ça, on va en tirer des KPI et on va reboucler la boucle avec la reproduction de contenu avec une cible, avec un channel ou des channels utilisés. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus dans les sociétés, on arrête de penser comme interne, comme externe, relations presse, sur toute la partie communication. On pense contenu et génération de contenu. Et finalement, quelqu'un qui écrit pour un intranet doit être demain capable ou est capable de pouvoir écrire un communiqué de presse. Et du coup, cette génération de contenu doit être au service de l'entreprise et des moyens de diffusion qu'elle a, que ce soit sur les réseaux sociaux, sites web, applications, bornes interactives, écrans sur des salons, etc.